mon anniversaire. On va se faire très joli. Ta-ta-ta, je ne veux rien entendre, c'est compris? Il faut souffrir pour être belle. Regardez les cheveux de ma maman. Ils sont brillants et bien peignés. Je suis sûre que vous aimeriez avoir une aussi jolie maman. Et ses sourcils? Vous avez vu ses sourcils? Si fins, si délicats. Les miens ne sont pas du tout pareils. Quand on coupe les cheveux, ils deviennent plus beaux en repoussant. Comme les sourcils sont de petits cheveux. Je vais les couper. Ils repousseront mieux et deviendront comme ceux de maman. Qu'est-ce que je te disais? Il faut souffrir pour être belle. Ah, bien. Il est l'heure d'aller friser les cheveux de Mademoiselle Sophie. Ah, un jour pareil, elle a dû s'éveiller à l'aube. Hier soir, la petite chérie voulait ses frisettes avant de se coucher. Pour être prête plus vite demain matin. Elle a de ses idées. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non! Ma frange est trop courte! Sophie? Oh! Encore au lit? Allons, debout! Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai coupé mes sourcils. Je voulais être belle comme maman. Et maintenant je suis affreuse. On va essayer de réparer ça. Avec vos jolis souliers bleus, vous serez ravissante. Non, Lucie, pas les bleus, je veux les blancs. Mais ils ne sont pas cirés. Les bleus sont charmants, Sophie. Ils me font mal, j'ai grandi maintenant. J'ai 7 ans, je veux les blancs. Vous me ferez devenir chèvre. Oh, quelle tignasse vous avez, mademoiselle. Je vais arranger ça. Épouvantable. Elle avait les cheveux raides comme du crin de cheval. Oh. Sophie? Ton oncle et ta tante Dobert ne peuvent pas rester pour ton goûter d'anniversaire. Nous t'offrirons donc tes cadeaux avant le déjeuner. Bien, maman. Est-ce que mes sourcils auront repoussé avant le déjeuner, Lucie? Ma petite Sophie, je crains bien que non. Tu es là? Que fais-tu? Nous t'attendons. Oui, oui, je viens, mais pars d'abord. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fabriques? Rien, rien. Ne me regarde pas, va-t'en, va-t'en. Pas avant de savoir. Eh bien voilà, ça y est, tu as vu, tu es content maintenant? Tu n'as plus de sourcils? Oui, je sais, merci. Je les ai coupés. Mais pourquoi? Pour être belle comme maman. Eh bien, c'est gagné. Tout le monde va se moquer de moi. Et maman va me gronder comme d'habitude.
Ne te plains pas. Moi, mes parents n'ont même pas le temps de le faire. Tu as beaucoup de chance. Oui, j'ai de la chance de ne pas les voir, de la chance qu'ils ne m'emmènent jamais. Heureusement qu'ils ne te prennent pas avec eux. Comme ça, tu es toujours avec moi. Mademoiselle Sophie, vos parents et ceux de Monsieur Paul vous attendent au salon. Tu n'es pas impatiente d'ouvrir tes cadeaux ? Paul, tu ne pars pas avec tes parents ? Tu restes pour mon goûter d'anniversaire, n'est-ce pas ? Ne t'inquiète pas. Papa et maman diront comme d'habitude qu'ils ne peuvent pas m'emmener à Paris. Quelle tête ! Mais qu'as-tu fait ? On dirait qu'elle n'a plus de sourcils. Oh. Vous les avez coupés ? Vous commencez bien votre 7e année, mademoiselle. Félicitations. Tenez, voici de quoi vous amuser. Merci. Tu ne parais pas contente de mon cadeau, Sophie. C'est pourtant très joli. C'est que je ne sais pas encore bien lire, maman. Ouvre-le donc. Je suis sûre qu'il t'amusera plus que tu ne le penses. Ah, c'est dur. Oh là là, je n'y arrive pas. C'est un livre extraordinaire. Il s'ouvre seulement si on s'y prend. Comme ça. Oh, comme c'est joli. Merci, maman. Je suis vraiment contente. Et voici notre cadeau, Sophie. J'espère qu'il te plaira tout autant. Oh. Il a été peint par un de nos amis, un grand peintre de Paris. Il sera du plus bel effet dans ta chambre. Regardez ce chien, on dirait qu'il va bondir hors de la toile. Et là, doucement, je ne veux pas de coup de fusil dans mon salon. Oh. Sophie, vous ne remerciez pas votre tante ? Merci, ma tante. Allez, maintenant. Lucie vous appellera pour le déjeuner. Viens, on va jouer avec ta boîte. Le train va partir. Attention au départ. Je donnerai ce bouquet à Camille et Madeleine. Mon dessin est pour papa. Oh, oh. Tu m'as fait bouger. Regarde ma locomotive, maintenant. Oh. Donne-moi ça. Tiens, ça t'apprendra. Tiens et tiens. Arrête, Sophie, arrête. Mais... arrête. Vilain. Là. Nous devons partir. Je suis venue te dire au revoir, ma chère nièce. Tu es gâtée. On peut en faire des choses avec ça. Paul, ta mère et moi sommes très occupés en ce moment. Tu resteras ici encore quelques jours, d'accord? Voilà. Tiens, Sophie, voilà de beaux gros sourcils tout neufs pour remplacer ce que tu n'as plus. Papa. Excuse-le, Sophie. Il ne pensait pas à mal. Ça m'est égal. Je ne lui en veux pas. J'avais peur qu'il t'emmène. Il ne m'a même pas dit au revoir. Bonjour, mes amis. Vous partez déjà ? Hélas, oui. Il le faut, ma chère. Vous ne serez pas au goûter d'anniversaire de Sophie ? C'est bien dommage pour elle. Nous ne raterions les soirées de Madame Ducrécy pour rien au monde. On s'y amuse follement. Toute la bonne société y vient. À bientôt, ma chère. Allez cocher. Bonjour, chère amie. Soyez les bienvenus. Bonjour, Sophie. Bon anniversaire. Oh. Merci. Regarde, Sophie. C'est pour toi. Bon anniversaire. Oh. Un vrai service. Oh, merci, Madame de Ferville. C'est mon plus beau cadeau. Là, tu as le sucrier et son petit couvercle.
Il y a 6 tasses, 6 cuillères et 6 soucoupes. Comme tu comptes bien, Camille. Maman, je peux faire du thé pour mes amis? Non, vous risqueriez de vous brûler et de mettre de la crème partout. Faites semblant, ce sera aussi amusant. Oh, maman, s'il vous plaît. J'ai dit non, Sophie. La théière est magnifique, n'est-ce pas? Et voilà, j'ai fini. Vous allez pouvoir souffler vos bougies, mademoiselle. Ne crains rien, Sophie. Elle ne s'envolera pas. Souffle, Sophie. Éteins-les d'un coup. Il y a même son nom dessus. À quoi me sert ma dinette si je ne peux rien mettre dedans? Sophie, nous t'attendons. Oh. Bravo, joyeux anniversaire. Je ne veux pas faire semblant. Na. Je mange le S de Sophie. Et moi le H. Oh, si je pouvais faire le thé. Il y aurait le sucre, une bonne crème épaisse et des biscuits. Pourquoi maman ne veut-elle pas que j'utilise ma dinette? C'est comme une nouvelle robe que je n'aurais pas le droit de porter. Sophie? Sophie? Hein? Oui, quoi? Tu me parles, Madeleine? À quoi tu penses, Sophie? À ta prochaine bêtise? Et si on faisait un concours de peinture? Quelle bonne idée, Sophie! On y va? Attendez, moi je ne joue pas, mais je désignerai le vainqueur. Tu as peur de perdre? C'est ma boîte à couleurs, c'est moi qui décide. À vos ordres, capitaine Sophie. Je te la confie, Camille. Fais-y attention. Je viendrai voir vos dessins plus tard. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Surprise! Lucie, regarde ce que Madame de Fleurville m'a offert. Oh, la jolie dinette! Quelle chance vous avez! Malheureusement, je ne peux pas jouer avec. Ah, et pourquoi donc? Je n'ai rien à mettre dedans. Si tu me donnais quelque chose, je pourrais faire une jolie surprise à mes amis pour le goûter. Mais hélas, ma pauvre petite, c'est impossible. Votre maman l'a interdit. Elle serait fâchée si je le faisais. Tenez, pour installer votre service, ce sera joli. De cette façon, tout le monde est content. Oh, merci. Il n'est pas très brillant. Tenez, voilà un peu de blanc et un chiffon. Quelle jolie table! Sophie, vous êtes une vraie dame. Oh, je n'ai ni thé ni crème à mettre dedans. J'ai trouvé! Pardon mes toutous, mais j'ai besoin de votre eau. Voilà un excellent thé. La bonne crème. Et enfin, le sucre. Je parie que Paul et mes amis n'auraient pas eu une aussi bonne idée. Quel thé superbe! Ils seront ravis. J'ai pas un ours dansant. Regarde, Sophie. Et le concours? Tu devais choisir le plus beau dessin. Oui, oui, c'est très beau. Et moi, notre château. Tu dois choisir le vainqueur, Sophie. Vous avez tous gagné, voilà. Maintenant, venez vite voir ce que j'ai préparé. Allez, venez.
pas la peine d'insister. Ma cousine se moque complètement de nos dessins. Quand elle a une idée en tête... Cher ami, quel thé superbe! Mesdames, monsieur, soyez les bienvenus à ma table. Mais je croyais que ta maman... Si vous voulez vous donner la peine, mademoiselle Camille... Placez-vous ici, Madeleine. Monsieur Paul sera à côté de moi. Très bien. Oh. Eh bien, madame, faites le service. Oh, bien sûr. Où avais-je la tête? Quelle journée superbe, n'est-ce pas? Du sucre? Volontiers, chère madame. Merci. Oh! C'est bizarre, le sucre ne fond pas. Mélangez bien et il fondra. Moi, je n'ai pas très soif. Je me méfie des surprises de ma chère cousine. Nous sommes à la campagne, chère amie. Et j'ai fait de mon mieux. Quelle horreur! Qu'est-ce que c'est? C'est pas du thé, ça! Pas du vrai thé, mais... Mais il fallait bien que je mette quelque chose dans les tasses. Je vous avais prévenu, il faut s'attendre à tout avec Sophie. Vous êtes difficile! Vous n'aimez rien! On ne peut pas jouer avec vous! Avoue, Sophie, que sans être difficile, on peut trouver ton thé très mauvais. Je n'ai jamais rien bu d'aussi infect. Tu aurais au moins pu nous dire de faire semblant de le boire. C'est méchant. Avale! Avale donc! Tu verras si on est difficile! Oh, arrête, Paul! Laisse-moi! Mais... Ah! Arrête, je te dis! Puisqu'il est tellement bon! Non! Tu vas voir! Aïe! Qu'est-ce qui se passe encore? Je voudrais! Lâche-moi! Mais... Vous allez vous faire mal! Tu vas voir un peu! Tiens! Tiens! Qu'est-ce qui s'est passé? Camille? Explique-nous la raison de cette bataille. Sophie, vous allez parler? J'ai voulu leur faire boire du thé. Vous m'aviez dit de faire semblant, maman. Où avez-vous pris cette prétendue crème, mademoiselle? C'est moi qui l'ai faite, maman. Et avec quoi? Le blanc à argenterie et l'eau des chiens. Quel régal! Décidément, vous commencez bien vos 7 ans, mademoiselle. Qui vous a donné le blanc à argenterie? Et ce plateau? Et cette nappe? Répondez. Lucie. Parlez plus fort, je n'entends pas. C'est Lucie, maman. Lucie. Nous réglerons cela plus tard. En attendant, je confisque votre dinette. Tout de même, cette Sophie, quelle imagination! Vous m'avez appelée, madame? Lucie, je ne suis pas contente de vous. Lucie n'y est pour rien, maman. J'ai fait sauter toute seule. Ah oui? Et la nappe? Et le plateau? Et le blanc à argenterie? Tu les as trouvés toutes seules, sans doute. Sophie, je te prierai de me laisser seule avec Lucie. Tu n'as pas à te mêler de notre discussion. Eh bien, Lucie, j'attends vos explications. Sophie était si malheureuse de ne pas pouvoir se servir de sa dinette. Lucie, vous vous occupez de Sophie depuis qu'elle est née. Et je vous sais gré de l'affection que vous avez pour elle. Mais vous ne me facilitez pas la tâche. Vous l'aidez à faire des bêtises. Avec vous, Sophie a tous les droits. C'est une enfant. Une enfant qui doit grandir en sagesse. Sophie a un caractère difficile. Mon mari est très peu présent. Et j'ai besoin de quelqu'un qui apprenne à Sophie à obéir. Seule, cette tâche me paraît insurmontable. Je suis désolée, Lucie. Mais je me vois contrainte de me passer de vos services. Demain, vous ferez vos bagages. Thank you.
C'est ma faute si maman te chasse. Vous me manquerez, ma petite Sophie. Oh, Lucie! Il faut dormir maintenant. Bonne nuit, Sophie. Dormez bien. Bonne nuit, ma Lucie. Je ne veux pas qu'elle s'en aille. Entrez. Qu'y a-t-il, Sophie? Tu n'es pas couchée? Je vous en supplie, maman. Ne renvoyez pas Lucie. Je l'aime tellement. Elle est si bonne pour moi. Beaucoup trop. Je vous promets d'être sage, de ne plus faire de bêtises. Ne la renvoyez pas, s'il vous plaît. Maman. J'aimerais tellement que tu comprennes, Sophie. J'essaie d'agir pour ton bien. Je le sais, ma petite maman. Je vous en prie. Soit, Lucie peut rester. Oh, merci, maman. Mais c'est sa dernière chance.